Camilla Parker Bowles enceinte à 70 ans. Son fils Tom ne s'affole pas. Un lapsus qui a eu le don de faire bien rire le grand-fils de la duchesse de Cornouailles. Une duchesse peut en cacher une autre, mais une seule est actuellement enceinte, et sur le point d'accoucher de son troisième enfant, la duchesse Catherine de Cambridge, 36 ans, non pas la duchesse Camilla de Cornouailles, 70 ans. Le site du quotidien gratuit Metrouka s'est cette semaine rendu coupable d'un malheureux lapsus en traitant que la duchesse de Cornouailles doit donner naissance, le mois prochain à son troisième enfant. Avec un lien pointant vers un article concernant bien sûr, la grossesse de l'épouse du prince William, et non celle du prince Charles. Une bévue qui n'a bien entendu pas passé inaperçue, y compris dans l'entourage de la principale intéressée. Est-ce que Charles est au courant ? Tom Parker Bowles, aîné des deux enfants que Camilla a eu de son premier mariage, avec Andrew Parker Bowles, a republié le tweet sur son propre compte, assorti d'une réaction amusante, oh mon Dieu. Vraiment, a malicieusement écrit le critique gastronomique, et auteur d'ouvrages culinaires de 43 ans. Un trait d'humour qui n'est pas resté sans suite, puisqu'il a déclenché quelques échanges non moins drôles, par exemple lorsque l'humoriste, et animateur télé Dom Joly a rebondi, « Félicitations pour la naissance imminente de ton frère ou de ta sœur. Tu as dû être surpris », a-t-il adressé à Tom. « Pas faux », a répondu ce dernier. Ou lorsque cet autre utilisateur du réseau social, lui a demandé si le prince Charles était au courant, « Je suis le dernier à l'apprendre. » Comme toujours, a répliqué le fils de la duchesse de Cornouailles. À défaut de devenir maman une troisième fois, nous sommes bien d'accord, Camilla? C'était bel et bien une erreur, n'est-ce pas? Camilla Parker Bowles, mariée depuis 2005 au prince Charles, peut se féliciter d'être cinq fois grand-mère. Tom a eu deux enfants avec son épouse Sarah, puis Lola, 10 ans, et Freddy, 8 ans, quant à sa sœur cadette. Laura Lope, 39 ans, qui travaille dans le monde des galeries d'art, elle en a elle-même donné trois à son mari Harry Lope, Elisa, 10 ans, et les jumeaux Guy et Louis, 8 ans. La duchesse de Cornouailles, qui est l'un des membres les plus actifs au service de la couronne, présidait le 8 mars 2018 à une réception à Clarence-Sous à l'occasion de la Journée internationale des femmes et du Festival des femmes du monde, dont elle est la présidente. La chanteuse et activiste Annie Lennox, ainsi que l'actrice Mona Hamon, faisaient notamment partie de ses invités. Quant à la duchesse Catherine de Cambridge, qui semble vivre merveilleusement bien la fin de sa grossesse, elle doit accoucher au mois d'avril du petit frère, ou de la petite sœur du prince George et de la princesse Charlotte.